Bonjour, monsieur. On doit te... Tu es un petit homme, tu sais ça. On Tu doit es te un demander... petit, tu es trop petit jusqu'à. En Mais tout cas, continue à calme-toi, faire ce que vas-y tu fais. qu'on Moi, je te parle regarde. calmement. Ouais, je suis calme. D'accord, donc laisse-moi compter d'abord pour voir ce que je dois envoyer. Ok, compte alors. La vie. Il fallait combien là? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes dans une situation difficile. Il fallait combien? 1 million. 1 million. Oh oui. 1 million, 2 millions. Quelle était la situation là? Je savais pas que tu étais petit comme ça là dans la tête. C'est comme ça Vous que tu m'avez dit 1 réfléchis. million. Si je l'envoie, il faut que j'ajoute la raison. C'était quoi? Une maison ou bien c'était quoi là? C'était le palais. Quand Le je veux, palais. mon petit, quand je veux bien parler, tu veux ramener les choses. Pourtant, les choses là, on ne pleure pas à la fin. Pourquoi veux-tu ramener les choses, oh, maman? Pourtant, tu me connais. Quand tu es là, tu me vois. Tu sens que tu es mon petit, donc calme-toi. Tu as dit qu'il fallait combien? 1 million. Mais pourquoi le PDA ne rapporte plus? Les Et clients ne toi, payent plus? pourquoi ton église des fantômes ne passe pas non plus? Hein? Ça rapporte. Mais tout l'argent que tu as là, ce sont des fidèles qui te le payent, petit voleur. Tu l'as Oui, c'est oublié ça ou qu'on quoi? appelle l'église. Maintenant, pourquoi Quelle le église? PDA ne paie plus? Quelle Bon, dis-moi. église? Bon, explique-moi un peu ton business. Quand quelqu'un vient qui doit te mougou, il paye combien? Et puis tu n'as pas pu garder. Je Parce que suis façon que sans. je te vois Est-ce que bien je mince suis. là. Façon que je te vois bien mince là. Tu dois Censé? savoir écarter. Mais pourquoi l'écartement n'a pas payé? C'est Mais ça qui est-ce que moi me je fait suis censé mal. vous Ça parler de ma me vie fait mal. ou Le PDA de quoi que ne ce soit? paye plus. Ah, maman! Tu es un Il enfant, hein? Tu es un enfant. C'est tout toi là. C'est tout toi là. C'est tout toi là. C'est tout toi. C'est tout toi le dessin que je vois là. PDA ne paye Je pas. pensais que tu étais quelque chose. Mais Bon, apparemment, calme-toi, mon fils. Mon fils, ta calme-toi. conscience et la mienne ne sont pas, elle n'est pas la même. Calme-toi, mon petit. J'aimerais savoir pourquoi le côté PDA ne paye pas. Il y a quel problème qui ne va pas? Il ne veut Et plus de toi, toi pourquoi ou ton bien... église des fantômes ne passe pas? Moi, ce n'est pas moi qui suis en difficulté. C'est toi, Bon, je t'ai dit. au fait, monsieur, il faut Donc, qu'on tu ne soit veux clair, pas m'aider. d'accord? Il faut Ok, qu'on je m'en soit vais. bien Non, je clair. m'en vais. Non, comme tu ne veux pas m'aider, je m'en vais. C'est bon. Tu as raison. C'est bon. C'est pas grave. C'est bon. Ok, De je ton m'en vais. aide, Tu me... tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Non, Tu fuis. tu me chasses. Tu es lâche. Donc, tu me Regarde, chasses. franchement, tu m'en beurres le cul. Tu comprends? Tu m'en beurres le cul. Tu m'énerves. Pourquoi? Tu comprends? Quand je te dis que tu m'énerves, tu m'énerves. Je te déteste. Tu comprends? Tu es Parce que sûr? lorsque tu es là, tout ce que tu comptes là, ça c'est Annabelle, des tu es miens. sûr? C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. Tu C'est es tous les sûr? billets là. C'est le papier, c'est nous qui fabriquons ça. Le papier là. C'est nous qui fabriquons ça et puis on met l'encre à l'intérieur. Tu as Et puis tu oublié? n'en as pas. Pardon? Et puis tu Pardon? n'en as plus. Et puis Et tu je n'as t'ai dit, plus. et à toi, je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai fait une Mais bien requête. sûr, Oh tu non, m'as non, dit, non, non. j'envoie Je t'ai combien? jamais écrit, monsieur. Je t'ai même pas mentionné dans mes problèmes. Je ne sais pas qui Mais vous êtes. Anna, Qui? Mais qui calme-toi, tu êtes-vous? fais l'appel collectif, Ah on vient ben, t'aider. ah ben, monsieur, vous venez sur ma page, vous venez vous intégrer comme si c'était votre palais ici. Bon, Votre palais, c'est là-bas chez vous. mon C'est pas petit ici. Anna, tu dis que c'est moi qui, depuis des années, je t'oppresse, je t'attaque. Au fait, Tu tu es attends quoi sûr de que moi? ce En que tu dis, cosmodo, tu t'attends quoi de moi? Tu attends quoi de moi, toi? ce que Toi la j'attends de toi, chose, toi la chose, parce que c'est tu es que une tu me chose, sois... tu attends Bon, quoi de c'est... moi? Je vais te répondre. Je ne veux plus Que? mon fils, Georges, enfant que Dieu a créé à son image et béni. Alléluia, n'importe quoi, Que oui. tu ne sois plus l'incarnation de la malédiction africaine. Ah ben dis donc, ferme-la. Tu es un homophobe. Tout le monde sait que tu es homophobe.
Le PD a fait quoi? Tu es homosexuel, c'est ta vie. C'est pas ton problème. Hein? C'est ton problème? Être gay, c'est un crime? Ou bien être gay, c'est quoi? Mais tu te crois où là? Dans ton monde, à toi? Nous sommes au 21e siècle, monsieur. Je peux répondre? Ah, allez-y, puisque vous aimez parler. Aucun oubi n'ira au ciel. C'est une malédiction africaine. Tu es Dieu? La question que je te pose, la preuve, tu es en face de moi. Tu n'es même pas heureux. De quoi? Je suis obligé de venir demander des lives pour te donner un sentiment de... Ah si, attends, tu ne demandais pas les cadeaux ici. Toi, tu ne demandais pas les cadeaux ici. Tout l'argent que tu manges là, c'est l'argent de qui? C'est pas l'argent des femmes. C'est pas les femmes qui t'ont rendu ce que tu es là. Merci bien. Je te parle de l'amour que Dieu a pour toi. N'importe quoi. Quel Dieu? Il t'a parlé à mon sien par rapport à moi. Regarde par exemple, tu es là. Mais tout à l'heure, tu es obligé de pleurer. Tu pleures. Je n'ai pas pleuré. Je pleurais mes choses. Je ne pleurais pas à cause de toi. Je ne peux pas te faire l'honneur de couler mes larmes pour un Makoso qui fantasme sur moi depuis des années. Tu fantasmes sur moi, hein? Toi, Makoso. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à qui? Que je fais là? Tu fantasmes sur moi. Ben alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le Saint-Esprit t'a touché? Il t'a parlé de moi? Ok, dis-moi ce que le Saint-Esprit t'a parlé. J'écoute. Merci bien. Le Saint-Esprit me charge, merci pour les cadeaux que vous m'envoyez, de te dire, Anna. Merci pour les cadeaux, quémandeur. Entre nous deux, qui quémande ici? Je peux parler? Vas-y, ouvre là. Il me charge de te dire qu'aujourd'hui, là, tu as tellement donné le cul que le cul n'a plus de goût. Les gens t'ont rejeté, même tes clients t'ont fui. Le seul qui peut t'accepter tel que tu es aujourd'hui, Anna, c'est Jésus. Le seul. Tout le monde t'a fui. Tes clients t'ont fui. Makoso, je vois que tu as besoin d'un bon bangala au cul. Hein. Au stade où tu arrivais de ta vie. Tu as besoin d'un bon bangala au cul. C'est ça que tu as besoin, il toi. Il te faut Jésus. C'est ton dernier espoir. Parce que, Anna, si ce que je dis, tu ne crois pas, tu fais ton test VIH demain. Tu viens monter ça devant tout le monde. Tu vas pleurer de toutes tes larmes. Regardez-moi ce bandit. Regardez-moi cet escroc. Regardez-moi la chose qui me parle d'aller faire un test. Tu me confonds à toi. Tu me confonds à toi. 2 millions, je parie. Tu me confonds à toi. Le sida que Créole, le sida que Créole t'a transformé. C'est ça que tu veux venir mettre chez moi. Je t'envoie. Tu fais le test de... parce que ton problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as atteint personne. Regarde la chose. Tu as besoin d'une délivrance. Regarde la chose qui parle. Regarde la chose qui la ouvre. Anna, tu viendras ici devant tout le monde, dit que tu as atteint. Makoso, je vais faire mon test. Je vais faire mon test. Demain. Je n'irai pas à ton temps, à mon temps voulu, à moi. Demain. Parce que tu es qui? Anna, mon Dieu. Je vais te montrer comment tu viens de te tuer. Qui? Si tu n'étais pas atteint du VIH, tu allais dire, je fais tu es malade, monsieur. N'est-ce pas, c'est toi qui m'as donné ça. Quand tu m'avais couché, c'est pas toi qui m'as donné le sida, là. Moi, si, l'enfant d'Obian, mais ça ne va pas. C'est mon Dieu, Anna. À quand remonte le dernier test que tu as fait de VIH? Et toi, c'est ton problème, voleur? C'est ton problème à toi? Pourquoi tu veux que je te dise les choses? C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Anna, si tu crois, enlève la chemise. Pour faire quoi? Enlève le haut que tu as. Montre-nous ici, montre-nous là, montre-nous tes cordes, montre-nous. Retire la chemise, tout le monde va se... Oh, c'est bien ce que je disais, tu fantasmes sur mon corps. Tu as perdu exactement près de 15 kilos. Tu fantasmes sur mon corps, tu veux voir mon corps. Regarde le minable. Regarde le minable, tu parles. Au fait, monsieur, essayons de... Excuse-moi de te couper la parole un peu. Ta dernière chance. Laquelle? Laquelle? De donner ta vie à Jésus pour le paquet. Ah, dis donc, ferme-la. Toi-même, tu as donné ta vie à Jésus en escroquant les gens tous les jours. Depuis 1997. Depuis 1900, en escroquant les gens tous les jours. Tout l'argent que tu as mangé, tu as pris ça où? Tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur. La Range Rover là. La Range Rover que tu as là. La Range Rover que tu as là. Nous sommes en 2022. Va changer ta Range Rover. Prends une nouvelle série.
C'est une vieille voiture. Elle n'est pas, elle n'est plus à la mode, ta Tu veux voiture. que je te montre la nouvelle? Montre, montre, papa bavardage. Est-ce que je te montre? Tu présentes tes excuses? Papa, va montrer. Tu présentes tes excuses alors? Va montrer. Tu présentes Montre ta pas nouvelle tes excuses? voiture en bois. Montre ton camion là que tu as payé le Jara-Jara, le Makemazu. Montre-nous ça. Non, dis-moi, elle était de quelle couleur l'ancienne? Elle était blanche, je crois. Blanche, c'est pas quelque chose comme ça. Il n'a même pas la connexion. Je Voilà. suis riche. Mais t'as pas de wifi? T'as pas de wifi? Ton wifi bug. Petit pauvre. Mon petit. Qui est petit ici? C'est toi mon petit ici. C'est toi mon petit. C'est toi mon petit ici. Ouais, je ne suis pas ton petit. C'est comment? Mets le micro. Mets le micro. Tu veux monter quoi que tu ailles travailler? Avec l'argent des fidèles. Mon petit, ouvre-moi le parking. Ça, c'est quoi? Tu es un parvenu, hein? Tu es vraiment un parvenu, hein? Vraiment. J'ai jamais vu ta catégorie là. Tu es vraiment un parvenu, quoi. Hein? Tu es vraiment un parvenu. Tu comprends? Faut amener ça au ciel. Hein? Dieu ne t'a pas monté le parking. Jésus-Christ ne t'a pas monté le parking là où est-ce que tu vas garder la, là où est-ce que tu vas parquer la Range Rover là au paradis. On t'a pas dit là où est-ce que tu vas parquer ça. Ngongol. Mettez son micro. Il n'a pas de micro. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Regardez la chose. La maison est même vide. Il n'y a rien dans la maison même. Non, là, La là, on est maison au est vide. parking. Kim y a mis tous les trucs, les salons dehors pour son live de demain. Là, c'est le parking. Là, c'est juste le parking. Mon petit. Là, c'est le parking. Donc, comme Kim y a son direct demain avec sa vente privée de 24 heures, on a mis tout le salon dehors. Ça, c'est le salon. Ça, c'est une partie. Ça, c'est le deuxième salon. On a mis le deuxième salon dehors et tout ça, c'est le parking. Voilà. Qui prend exactement trois véhicules. Vas-y, où tu as garé la voiture? La deuxième voiture. Bon, voilà. Donc, attends, quitte, quitte, mon petit. Ça, c'est la deuxième voiture. Ça, c'est la voiture pour la secrétaire. C'est ce qu'elle utilise pour faire ses courses. Voilà. Donc, petit, la question que j'aimerais te poser, la Range Rover, elle a changé ou pas? Mignon, Tu as mignon, changé la, en tu as, appel, hein? tu as changé la peinture, hein? Tu as changé la peinture. Tu viens de dire ici Ah que tu as la voiture. Tu as changé la peinture, hein? Tu connaissais l'ancienne coupe, non? Quand tu regardes la nouvelle coupe, c'est la même chose. Tu connais voiture. Tu connais voiture. Tu connais l'ancien modèle. Et tu connais le nouveau modèle, mon petit. Tu connais. Tu es vraiment malheureux, hein? L'argent que tu as volé, non? Non, Tu sais non, l'argent que tu as non. Tu volé as là? voulu que je t'apporte la preuve. Je t'ai apporté la preuve. Maintenant, on va à ma piscine. Bella, on peut faire un tour à la piscine, s'il te plaît? Bella, est-ce qu'on peut faire un tour à la piscine? Est-ce que Jésus-Christ a dit là où est-ce que tu vas mettre la piscine là au paradis là-bas? Il y a une place. Bella, tu veux voir la piscine ou pas? Où je vais te loger quand tu vas arriver en vacances après avoir donné ta vie à Jésus? Oh my God! Oh là! Ouf! Oh, allumé ici là! Qui est là-bas? Allez allumer ici. Allume l'autre. Voilà. Voilà, on vient. Vraiment, hein, quand on est malheureux dans la life, quand on est malheureux, quand on est parvenu, avec l'argent qu'on a passé toute la vie à voler aux fidèles, à voler aux fidèles les prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Fais aussi une prophétie dans ma vie, je vois comment ça va se réaliser. Dis-moi une prophétie, comme ça, je vois comment ça va Tu se as réaliser. le sida.
Tu as besoin de faire ton test pour que je te délivre. Ne me parle pas comme ça. Hein. Ne me parle pas comme ça. Je n'ai pas cette maladie. Je n'ai pas cette maladie. Ne me parle pas comme ça. C'est comme ça que tu vas parler. On va commencer à parler de ça dans la, dans le on appelle ça même comment. Mais le gars, il m'embrouille la tête. Annabella est atteinte du sida. Il a besoin d'une délivrance. C'est ta dernière chance de donner ta vie à Jésus. Même si tu ne crois pas. Regarde le vendu. Regarde le vendu. Regarde. Regarde quelqu'un qu'on a vendu aux enchères depuis. Regarde. Il est là debout, debout, debout. On pense que c'est la marchandise alors que tu es au sol. Hein? Tu es au sol, mon frère. Tu es au sol. Jésus veut changer ta vie. Anna, Jésus veut changer ta vie. Tout ce que tu es en train de raconter, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. La famille de ta maman t'a vendu à un sacrifice. Aujourd'hui, là, tu as besoin de ta délivrance. Et c'est Jésus qui est le fondement de ta délivrance. Qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Tu en sais quoi de ma vie? Qui t'a raconté ma vie? Qui t'a raconté ma vie? Tu connais ma vie? Je n'ai pas besoin de le savoir. Tu as fini de me parler. Ce que j'ai dit est vrai ou faux? C'est faux! Pourquoi tu dis alors qui m'a parlé de ta vie? Pardon, qui t'a parlé de ma vie? Je peux, tu peux répéter le nom que tu as dit? Il s'appelle Jésus. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui veut te donner une seconde chance. C'est lui qui veut te prendre. Regarde aujourd'hui, toutes tes côtes sont sorties. Toutes tes os sont en train de sortir. Tu as vu mon corps? Tu n'as plus la paix. Tu m'as pesé. Tu m'as pesé. Tu m'as pesé. Tu connais mon corps? Tu n'as plus la joie. Là, aujourd'hui, tu étais gros. Toi, tu étais gros. Tu étais gros lorsque tu es là. Tu étais gros. Tu étais gros. Nous deux là, nous ne sommes pas les éternels minces. C'est pas le couscous et la jamé ou bien la tchéké qu'on appelle là qui te fait gonfler le ventre là. Mon petit. Tu baises même, tu fais même l'amour. Depuis que ta femme est partie là, depuis que ta femme est partie, tu fais encore l'amour. Tu fais encore l'amour. Mon fils. Ça fait combien de temps? Je vais parler au général. Aujourd'hui, Anna, tu as la seconde chance de ta vie. De sortir du PDA. Jésus veut changer ton histoire. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Faya, ya, 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 ya. Tout esprit du PDA. Ah, dis donc. Mets tes esprits de fantôme là-bas. Va leur dire que je l'ai mis le doigt au cul. Toi qui l'as livré en sacrifice, je maudis ton existence dans le nom puissant de Jésus. N'importe quoi. Dis Amen. Dis le cul. Ton micro, je ne t'entends pas, ton micro. Avec les téléphones à dormir debout, est-ce qu'il a du iPhone? Non, c'est l'iPhone 15. Ce sont des modérateurs qui couperaient. Je commence à prier pour toi, ils coupent. Modérateur, ne coupez pas la voix. C'est un monsieur que je respecte bien, même s'il est salaud. Mais ne le coupez pas. C'est un monsieur, c'est un blogueur. Ne le coupez pas. Bon, tout à l'heure, tu as dit, il n'a pas la voiture. Bon, la voiture est sortie. Il n'a pas le garage. Le garage est sorti. La piscine même est sortie. Tu veux quoi encore? Demain, ce soir, les 24 heures de vente de Kimi à partir de 15 heures d'Abidjan. Toujours en train de manger l'argent derrière sa fille. Un vend des produits cosmétiques les meilleurs. Anna, elle vend les make-up dernière génération. Et alors? Aux États-Unis d'Amérique. Anna, qu'est-ce qu'on en a pour arriver? Qu'est-ce qu'on en a pour de ça? Demain, de suivre le live de Kimi parce qu'il y a beaucoup de révélations. Est-ce que tu connais le nouveau leader de TikTok? Il est aux États-Unis. C'est qui? Nick Paul, mon petit. Si je te le livre, si je te livre entre les mains de Nick Paul, tu es mort. Lui va voyager ton âme. Mais, pause publicitaire. Demain, à partir de 15h GMT, le live de Kimi pour ses 24 heures de vente. Annabella, je n'ai rien contre toi. Mais tu dois arrêter d'être la honte de l'Afrique. Et donc,